Ce Dieu-là qui t'a fait passer 2023. Quel amour, quel amour. Un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Nous sommes là pour te rendre des actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Ce n'est pas à cause de nous, mais ce n'est pas à cause de notre amour, mais c'est à cause de toi, à cause de ton amour. Par amour de toi, Jésus, par amour de toi, Seigneur, tu mérites toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Ona bolingo nangaite. Seigneur, la voiture est Twingo EA363YK, s'il vous plaît, allez voir la sécurité, car la voiture est en train de gêner le passage. Amen. Je répète, Twingo EA363YK. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non, pas comme ça, motivez-moi, non, maman. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a une différence, bien-aimés dans le Seigneur. De l'autre côté, là, nous autres qui venons de l'autre côté, amen. Du bled, en Afrique, amen. Les gens n'ont pas assez, mais ils sont joyeux. Hein? Est-ce que tu peux regarder ta voisine, ton voisin, juste lui donner un sourire. Sourire seulement. Un sourire, s'il vous plaît. On est dans la maison de Dieu. Maman, il vaut, dis-moi sourire, comme maman. Hein? Papa Balola, moi sourire. Hein? Est-ce que papa Blaise, moi sourire, mon papa, moi sourire, sourire. Sourire, s'il vous plaît. Alors, moi, sourire bien, mais est-ce que tu peux saluer même deux personnes, trois personnes? Dis que je t'aime dans l'amour du Seigneur, Jésus t'aime. Papa, est-ce que tu peux te lever vraiment, saluer ton voisin? Nous sommes dans la maison de Dieu, marchez-y bien. Est-ce qu'il y a un papa qui peut se lever, saluer deux personnes? Est-ce qu'il y a une maman qui peut se lever, saluer son voisin, sa voisine? Nous sommes dans la maison de Dieu, amen. Hein? Amen. Et
Je disais, est-ce qu'on peut se lever, se saluer? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut se lever, se dire bonjour pour la gloire de Dieu? On acclame le Seigneur. Ah oui, il est Dieu agréable. Il est demeuré dans la présence de Dieu. Amen. Communique la joie. Amen. Communique la joie à ton voisin, à ta voisine. La joie, la joie. Je salue toutes les mamans protocole. Je vous salue. Je salue les papas. Le centre Peignel, la CIFMC, la JCC, je vous salue. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Maintenant, nous voulons saluer la personne la plus importante. Amen. Hein? Amen. Celui pour qui ce culte est en son honneur. Amen, hein? Amen. Et cette personne-là, il est élevé en dignité. La Bible déclare qu'après sa résurrection, il est allé s'asseoir à la droite de son Père. Pas pour faire autre chose, mais pour intercéder pour ta vie. Si tu es comme moi, que ta vie dépend de la miséricorde de Jésus, est-ce qu'on peut seulement s'élever là où nous sommes là? Est-ce qu'on peut s'élever? Non, non, n'acclame pas seulement. N'acclame pas encore. Est-ce qu'on peut s'élever pour montrer son autorité suprême? Pour montrer qu'il est le seul immortel? Pour montrer qu'il est le seul sage? Pour montrer qu'il est le seul Dieu invisible? Pour montrer qu'il n'a pas de début ni fin? Est-ce qu'on peut tous s'élever dans sa présence, s'il vous plaît? Alors que nous sommes mis debout, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'il y a une maman qui peut faire mieux que son voisin, sa voisine? Le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour Jésus. Jésus. Acclame pour Jésus. Jésus. Tu es ici pour Jésus. Jésus. Tes acclamations Jésus. Pour Jésus. Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Restons debout s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Il déclare qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons louer le Seigneur. Pour ceux-là qui sont reconnaissants que Dieu a fait dans leur vie, sont reconnaissants que si je suis en 2023, ce n'est pas par mes mérites, c'est par la faveur de Dieu. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts, bien-aimés. Venez devant. Nous voulons louer notre Dieu, bien-aimés. Viens, ne regarde pas ton voisin, ta voisine, bien-aimé. Chacun. Parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, le jugement dernier, tu seras seul. Mais même ces moments, Dieu te montrera que tu avais utilisé ton temps, bien-aimé, dans le sens positif pour la seule gloire de son nom. Parce que ceux qui sont morts, ils regrettent. Ils disent, ah si, je savais, j'allais être là le 15 janvier 2023. Mais toi et moi, tu nous as fait grâce. Si tu es comme moi, tu es reconnaissant. Venez, bien-aimé. Nous voulons danser pour notre Dieu. Car il mérite que tu danses. Tout le monde, tout le monde. La victoire. Allons-y, allons-y, allons-y. Et la victoire. Mais pas de rappeler le rigolo. Richard Abisson, c'est rigolo. Tout le monde, come on. Et la victoire. Et le, 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 le. Victoire, allons-y. Et l'on a victoire. La victoire. Tu es victorieux. Et l'on a allons-y. La victoire. Tu es victorieux. Et l'on a tout le monde. La victoire. Et l'on a victoire. Osamalogi. Come on. Victoire. Osamalogi. Come on. Victoire. Osamalogi. Come on. Victoire. Osamalogi. Osamalogi. Victoire, come on! Osa Balogi, Balogi, victoire, come on! Osa Balogi, tout le monde, come on, come on! Zambeye asali tata, solo na kobangate. Zambeye asali papa na kai, solo ngai na koba, ana bangali susu nini Zambeye asali papa. Solo na kobamba te, ya ya yese. Zambeye azali papa, solo na kobamba te. Ah, botika na bete na Yesu maboko asali zambe. Oya sali elekeli bombo ina. Aleluya. Zambeye azali, makasi na ngai, solo ngai na koba, na banga lisusu dini. Zambeye azali papa. Allez, tout le monde. Atabi tu mette le béli bomo ina kai. Aina kolenga lenga te.
Oya se pisa na sare Amiki sa kape maladi Yangona koba bade Tika nga la benta tole Bate ye azali papa Ya yesu Korona koba bade Elombe yesu Bate ye azali papa Ya korona koba bade Tika na benta la yosi milola azali zape Oya sali ele geli gomo inakai Yenda sali, makasi na kai Solonga ina koba, anabanga li susu nini Bate ye azali papa Ya yesu Solonga koba bate Elome yesu Bate ye azali papa Ale tout le monde, louele Come on Non, 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 je ne crains rien Car Jésus est là Non, non, je ne crains rien Est-ce que vous craignez les sorcières? Tout le monde, allons-y, comment? Non, non, je ne crains rien, car Jésus est là. Non, non, je ne crains rien, car Jésus est là. Non, non, je ne crains rien, car Jésus est là. Laissez-moi louer mon Jésus, car Jésus est là. Non, non, je ne crains rien. Laissez-moi pousser les cris des gens, hein, car Jésus est là. Hein. Non, non, je ne crains rien, car Jésus est là. Laissez-moi élever Jésus, mon sauveur est là. Hein. Non, non, je ne crains rien, car Jésus est là. Allez, tournez, 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 allons-y. Non, non, je ne crains rien, car Jésus est là. Laissez-moi chanter pour Jésus, mon sauveur est présent. Non, non, je ne crains rien. Quand Jésus est là Est-ce qu'à l'Oussambo nous chantons pour le Seigneur Allons-y tout le monde Non, non, je ne crains rien Quand Jésus est là Le Gabon et les bons Jésus Nos sauveurs est là Non, non, je ne crains rien Quand Jésus est là Même à Kampala, Jésus est roi Il est mon sauveur Non, non, je ne crains rien Jésus est là En Angola, élevons Jésus Il est le Tout-Puissant Non, non, je ne crains rien Car Jésus est là Même en Allemagne, élevons Jésus Le roi des rois Non, non, je ne crains rien Car Jésus est là A Lomé, au Togo, élevons Élevons Jésus, le roi des rois Non, non, je ne crains rien Car Jésus est là Congo, Brazzaville, élevons-le Élevons-le, élevons-le Non, non, je ne crains rien Car Jésus est là Jésus ma victoire Marchez à mes côtés Jésus ma victoire Marchez à mes côtés Jésus est mon assurance Marchez à mes côtés Jésus ma victoire 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 Marchez à mes côtés Jésus mon assurance Marchez à mes côtés Jésus ma victoire Marchez à mes côtés Jésus est mon assurance Marchez à mes côtés Jésus ma victoire Marchez à mes côtés Jésus mon ami Marchez à mes côtés Jésus ma victoire Marchez à mes côtés Jésus mon ami Marchez à mes côtés Jésus ma victoire Marchez à mes côtés Il y a un Dieu Oui, il y a un Dieu Oui, il y a un Dieu Maître de temps Et des circonstances, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu, maître de temps et des circonstances, il y a un roi, oui, il y a un roi, il y a un roi, oui, il y a un roi, il y a un roi, oui, il y a un roi. Écoutez, c'est lui qui a transformé ma vie. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est vrai, il y a un roi, maître de temps et des circonstances. Il y a un roi, oui, il y a un roi, il y a un roi, oui, il y a un roi, il y a un roi, oui, il y a un roi. Maître de temps et des circonstances.
grâce. C'est lui qui nous a donné la victoire. Élevons Jésus, le roi des rois. Maître des temps et des circonstances. Oui, Jésus est roi. Oui, tout le monde. Jésus est roi. Il est le roi. Oui, Jésus est roi. Il est le roi. Oui, hey. Jésus est roi. Joyeux. Maître des temps et des circonstances. Ça va changer. Si comme bêta tolo, le bata la yesu, le mot comicina. Regarde Seigneur comment tu m'as fait. Eh na e na lela yo, na lela yo, na louange na ga yesu. Que yesu yo soit qui na e na zéro, yo comicina awa e. Sa la nene na koma koye ba e. Si on soit qui m'a et n'a l'oubombashi, on peut s'y bêtir n'a l'élo. Et n'est qu'on comme Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit en ce lieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents. Amen. Amen. Très heureux parce que Dieu nous a envoyé ses témoins. Amen. Amen.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, Dieu nous a envoyé trois témoins. Jésus nous a envoyé trois témoins. Ah, si tu es content pour ces trois témoins, nous allons acclamer encore le roi de grâce. Jésus. Alors, sans plus tarder, je vais appeler la première personne sous vos acclamations. Je vais appeler maman Angèle Miezi. Acclamons le Seigneur. Wow. Mettez la yes sur ma voco. Jésus. Ah, chorale. Mettez la yes sur ma voco. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, j'ai seulement 5 minutes. Je vais essayer de respecter ça. Amen. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais avant de commencer, j'aimerais chanter. Alléluia. Amen. Amen. Osimbelanga makambwe lelisa kangai. Yosimbelanga makambwe swisanga motemai. Yola muselanga makambwe lalae lalae. Omone langa oyo basusu balemba nyoluka. Yo songi selanga inyoso esila kolimwae. Yo bomelanga moto banguna ba pelisa, pelisa, pelisa e. Oh Seigneur, Père, je te bénis. Merci. Bien-aimé, je pouvais continuer cette chanson parce que cette chanson dit tout de mon témoignage. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est celui qui nous donne la paix. Amen. Vu tout ce que j'ai traversé pendant des années, j'ai dit des années successives, j'ai pleuré mes frères. Et Dieu m'a donné la paix. Amen. Dernièrement, j'en ai parlé à Papa Guy. J'ai dit, Papa Guy, je ne veux même pas que les gens sachent. J'étais seulement en adoration. Parce qu'il y a d'autres choses, quand les diables et les ténèbres vous troublent, il faut montrer au Seigneur que vous avez un Dieu puissant. Amen. Un Dieu qui vous donne la paix. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je récite cette paix. Dieu seul sait qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais aussi celui qui est capable d'arrêter l'hémorragie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois l'Éternel et Dieu nous dit des choses, quand nous ne sommes pas obéissants, l'Éternel et Dieu nous tourne les dos. Ce n'est pas parce que nous croyons dans une famille, quand quelqu'un croit dans une famille, que la parole de Dieu doit obligatoirement s'accomplir. Quand il y a des portes d'entrée, parfois la parole de Dieu devient inefficace. C'est pour cela que nous devons réellement nous attacher à Jésus. Je vais commencer par là, ce n'est pas vraiment ça mon témoignage. Je voulais tout simplement vous édifier par rapport aux situations que nous traversons dans notre parcours chrétien. Amen. 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 Et j'aimerais témoigner par rapport à mon travail. Bien-aimé, je travaille, c'est BNP qui me paye. Je suis une employée de la BNP. Amen. Et ça fait 18 ans que je travaille avec la BNP. Et il y a eu un moment quand j'ai eu ma troisième fille, c'était une bénédiction, c'était inattendu. L'Éternel et Dieu m'a béni avec cet enfant que j'ai appelé bénédiction précieuse. Et j'ai fait 3 ans à la maison sans travailler. Et quand je suis repartie dans mon lieu de travail, il y a eu une opération qui a été lancée pour former les gens à être chef d'équipe. Et moi, j'étais à la maison. Et quand j'ai repris mon poste, la gérante qui était en place a vu comment est-ce que j'ai travaillé et elle m'a dit, Angèle, tu as la capacité d'être une chef d'équipe. Parce que moi, je te vois chef d'équipe. Tu as vraiment cette capacité-là, tu peux le faire. Et elle a pris mon dossier. Pourtant, l'opération a été close, mais elle a insisté auprès de la direction. Elle a envoyé mon dossier à la direction générale et ils m'ont appelé pour faire une formation de devenir chef d'équipe. Et nous étions à 3 à aller faire cette formation. Nous avons réussi la formation et dès ont été mis en place. Et moi, je n'étais pas mise en place parce qu'en fait, pour accéder à être chef d'équipe, tu dois être hautement qualifié dans ce que nous faisons.
Et moi, comme j'étais restée à la maison, et pendant ces temps que j'étais à la maison, notre filiale et les CPF, ils ont fait la fusion. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres dossiers qui ont été mis dans les placards sans les mettre à jour. Et quand je suis revenue, j'ai fait ma formation, ça s'est bien passé. Comme je suis déléguée syndicale aussi, je fais partie de la CGT. Et donc, j'étais une fois à la réunion, j'ai demandé à la RH, j'ai dit comment ça se fait qu'il y a d'autres personnes, parce que quand on défend aux délégations, tu ne peux pas parler de toi, tu dois parler pour tes collègues. Donc j'ai parlé pour les collègues, j'ai dit comment ça se fait qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la formation et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été placés là où il faut. Et la dame m'a dit, oui, Angèle, madame Niezi, vous savez, parfois il manque seulement une chose. Et c'est par après que j'ai ici que c'était parce que je n'étais pas hautement qualifiée, vu les années que j'ai fait. Et les gérants qui travaillaient avec moi à cette époque-là, il m'a dit, mais Angèle, comment ça se fait que tu ne sois pas hautement qualifiée? Vu les gens, je vois comment les gens travaillent, mais tu vaux plus. Ça veut dire que mon travail a été admiré par mes encadreurs, mais ça ne suivait pas vis-à-vis de mon statut. Et donc, le gérant a fait le nécessaire. Il a écrit à la direction. Il dit, c'est qu'Angèle fait. En tout cas, il a vraiment... elle a droit d'être hautement qualifiée. Bien aimé, chez nous, pour monter les échelons, il faut 2 ou 3 ans. Mais moi, ça s'est fait dans 2 ans. On m'a remis à mon niveau. Ça veut dire, j'ai été qualifiée, hautement qualifiée, et pas hautement qualifiée simple, hautement qualifiée C. Ça veut dire A, B, C. Donc j'ai grimpé de 4 niveaux, je peux dire. Acclamons Jésus. Et donc, malgré ma demande, il y a eu des choses, je ne vais pas vous détailler ici, parce que je reçois aussi des gens dans mon site, là où je travaille, je ne veux pas que ça soit extrapolé. Il y a eu des songi-songi, comme on dit. Vous voyez, nous les Africains, c'est une leçon que je vais vous donner. Africains, aimons-nous. Aimons-nous. Là où nous travaillons, nous devons nous aimer. Ton frère, qu'il soit malien, camerounais, ivoirien, c'est ton frère. Tu n'as pas à aller dire le mal de ton frère pour qu'on puisse l'écarter. Et moi, j'ai subi cette chose-là. Quand j'ai voulu être mis en place, il y a eu des petites choses, je n'ai pas compris. Bon, j'ai dit, dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un qui force. Je laisse Dieu faire. Et ça s'est fait, il y a eu des problèmes, des troubles. J'ai dit, Seigneur, sois au contrôle, je ne me précipite pas pour ça. Je ne regarde même pas ça, moi d'abord c'est Jésus. Et bien aimé, pendant le Covid, j'ai fait ma formation informatique. J'ai fait la formation informatique. Mon beau-fils est dans la salle, il va rigoler. J'avais du mal. J'avais du mal à suivre. Parce que parfois, j'ai demandé à mes enfants, comment ça se fait, comment ça se fait? Mais on me guidait quand même. Et quand j'ai fait cette formation, je vais vite, vite, vraiment. Quand j'ai fait cette formation, j'ai fini ma formation, j'ai reçu mon diplôme. Et là, avant le 30e anniversaire, on m'a demandé d'aller remplacer dans un site en occupant le poste que je voulais. Alléluia! Je n'ai pas demandé. Donc quand vous êtes parti au 30e, je ne pouvais pas partir. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas parti. Donc la direction m'avait déplacé pour une mission de 9 mois. Je suis allé, j'ai rencontré les gérants. Et la mission c'est où? C'est dans mon quartier. Donc j'allais à pied au travail. Je faisais 5 minutes à pied. Il y a une BNP là à côté de la gare de Pantin. J'ai travaillé là-bas. Et donc j'ai fait ma mission pendant 9 mois. Je suis allé premier jour, d'abord le gérant m'a pris. Je n'ai jamais fait l'ordinateur. Je n'ai jamais programmé les caisses. Je n'ai jamais fait les affiches, je les avais fait par rapport j'avais fait une formation avant, mais c'était pas le même système, parce que ce système là que j'utilise aujourd'hui, on appelle ça les PowerPoint. Hein, vous qui êtes dans des bureaux, vous savez. Donc, on m'a appris à travailler avec ça. On m'a appris à programmer les caisses. Alléluia. On m'a appris à faire les affiches. Alléluia. En une journée, bien aimé. En partant, papa Guy, j'avais peur. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai dit, c'est ma Seigneur, aide-moi. Si vous avez un poste, vous avez un poste.
J'avais peur, j'ai dit comment je veux faire. J'ai dit Saint-Esprit, aide-moi. Le gérant m'a pris, il m'a dit Angèle, assois-toi. Je m'assois, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Bien aimé, deuxième jour, on m'a laissé toute seule au bureau. J'ai travaillé avec les... Hein, au bureau. Vous savez, non? Ngai siko na komosa la na mundele koto mundele koto mundele nazo simba ordinateur. Alléluia. Ah, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Bien aimé, pendant 9 mois, j'ai fait ma mission, j'ai été vraiment applaudi et les gérants étaient vraiment fiers de moi. Même l'équipe que j'ai trouvée ont dit oh là là, Angèle, tu as appris, on n'a même pas forcé, tu as appris de toi-même. Voilà le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Amen. Et je suis sorti de ce site-là avec ma prime à la main. Parce que chez nous, quand tu te déplaces 3 mois, 6 mois, 9 mois, on te doit une prime. Donc voilà, je viens remercier le Seigneur. Alléluia. Je vais vous dire, ne soyez pas pressés à recevoir ce que les hommes peuvent donner. Attendez-vous de quelque chose de Dieu. Amen. C'est mien. Et ne forcez même pas. Amen. Même ceux qui battent, battent-ils au bacal, qu'on qui peut en atteler. Nous sommes pas comme maman, mais si Kayo Lingi au coma. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ah, béni la Jésus, ma voix qu'on acclame pour Jésus. Elisa, Elisa, Elisa. Oza pona ngai oyo mungwe zapona bilei. Zangisa bilei mungwa tala bilei zangi saveur. Kosa ngai yo na vie pomoi na ngai zangi tine. Yoza pona ngai oyo fondation zapona ndako. Zangisa fondation na ndako mo pepe ye ndako ekwei. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez été béni par ces témoignages? Alors rendons les actions de grâce auprès de notre Dieu. Amen. Rapidement, pour alors il y a un petit communiqué. La personne ayant ce Peugeot 206 grise AN/645/XD. Département 24, s'il vous plaît, allez à l'extérieur voir les sécurités parce que votre voiture est en train d'entraver la route. Amen. Alors, si on a été édifié par le premier témoignage, nous allons encore acclamer les Seigneurs. Sous vos acclamations, nous allons appeler Papa Adi Coco Gédéon. Alors, quand notre papa est en train de venir, est-ce qu'on peut l'encourager en acclamant Jésus? Singaï 78 ans, Osama, Ikangaï, na Yemba, yes, Osama, Ikangaï, na Loba, yes, tu es bon. Quand je me vois devant ton peuple, Seigneur, tu es bon. Tu es un Dieu plein d'amour et plein de compassion. C'est pour cela que je t'adore devant ce podium. Je t'adore cette journée spéciale, une journée d'adoration, parce que toi, tu es bon, Seigneur, mon Dieu, mon Père.
Merci pour mes 68 ans, Père éternel. Quand je vois beaucoup aujourd'hui ne sont pas réveillés, beaucoup sont malades, beaucoup sont dans les hôpitaux, mais à moi, tu m'as fait grâce, au grand Dieu, tu as révélé mon souffle de vie encore aujourd'hui. Et toi, je ne cesserai jamais de t'adorer, parce que tu es bon, Seigneur, mon Dieu, mon Père. C'est pour ça que je dis toi que tu es le seul, tu es l'unique, tu es le comparable. Tu es le soldat, le Dieu de papa et maman Olangi. Donc je te lève en dignité et tu m'aides à acclamer parce que toi, tu es Dieu, Seigneur, mon Dieu. Papa, merci. Pendant le Covid, la deuxième vague, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'étais malade, j'étais parti, mais toi, tu n'as pas voulu, Père. Je fais 10 jours à la maison en prenant seulement ce que les héros me disaient. Prends ça, le confort, chauffe les trucs, les Sinda, tout ça là. J'ai fait pendant 10 jours. Mais ma fille, on est là, elle a vu que 10 jours, c'est trop. Elle est venue me chercher à la maison à 22h45. Elle a dit, papa, je t'amène à l'hôpital. Oh, mon Dieu, tu es bon. Ma fille m'accompagne à l'hôpital à Sarcelles. Elle est venue, nous sommes partis là-bas. J'arrive, le médecin m'a dit, non, là, c'est dangereux. Il m'a dit, ma fille, toi, tu rentres. Ils m'ont dit, sous oxygène. J'étais sous oxygène pendant 3 jours. On m'a branché de perfusion, 4 perfusions par jour. On m'a transféré à Pontoise. Je fais 10 jours là-bas à l'hôpital. Mais le médecin m'a regardé le troisième jour. Le premier jour, j'étais sous oxygène. Le deuxième jour, encore sous oxygène. Il m'a dit que, monsieur dit Coco, aujourd'hui, je vais enlever l'oxygène. Je dis que c'est la résurrection. Le troisième jour, c'est la résurrection. Le troisième jour, c'est la résurrection. Il m'a dit que Dieu est bon. Quand je vois tout ce qu'il a fait à ma femme, ce Dieu-là, il nous aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand je vois Madokas là aujourd'hui, pour tout ce que les médecins m'avaient dit, que ta femme, elle ne pourra même pas parler, elle ne pourra même pas mettre encore les talons, elle ne pourra pas mettre pas marcher. Mais quand je vois, elle parle bien, elle met ses talons, je dis que Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est grand. C'est pour cela, moi, je marche toujours avec un verset. Chaque fois, je marche avec un verset. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité est la crainte de l'éternel, c'est la recherche, c'est la gloire et c'est la vie. Dans ce verset-là, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est à toi. Il y a des épines, il y a des épreuves dans ce verset-là. Mais c'est à toi de se comporter très bien. Parce que Dieu, il est fidèle, il n'a pas changé. Le Dieu de Papa Moulangi, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour cela, il faut avoir la crainte de l'éternel. J'ai envie de sauter, j'ai envie de rester debout pour vous prêcher, mais ce n'est pas encore le temps. J'ai fait ma prière. Je dis à Seigneur, donne à Paris une salle. Moi, je vais mettre debout ce podium. Je vais vous prêcher. Je vais vous prêcher. Je vais vous prêcher. Parce que Dieu est grand. Que notre Seigneur soit béni. Je vous bénis encore. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, attendez. Papa, posez la langue. Attendez, nous allons faire quelque chose. Papa Bertin Bozela, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut honorer notre papa en chantant joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa du coco. Acclamons Jésus. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous avez été béni par ces témoignages? Amen. Si c'est le cas, on acclame encore le roi des rois. Alléluia. 68 ans. Les dieux de papa et maman Olang ne jouent jamais. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons appeler encore une autre personne qui a vu la main de Dieu. Amen. Hein? Alors, sous vos applaudissements, je vais appeler maman Monique. Elle est missionnaire en Allemagne. Alors, sous vos applaudissements, elle va venir témoigner ce que ce Dieu a fait dans sa vie. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que tu acclames pour ce que Dieu a fait dans la vie de maman Monique, toi aussi, ça va venir. Ton tour viendra. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
je suis venue rendre grâce à ce Dieu. Je suis maman Monique. Amen, amen. On acclame Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen, hein? Amen. Je suis de la promotion Esther de Kinshasa. Gloire. Et je suis missionnaire par la grâce de Dieu. Amen. Je viens dire merci à Dieu. Vous savez, je suis congolaise de Kinshasa, malgré des papiers de l'Europe, tu es belge, français, tout ça, mais je suis congolaise. Amen. J'ai travaillé dans la société d'assurance chez nous. Chez nous, il y avait deux types d'assurance. Assurance groupe et assurance individuelle. J'avais deux assurances. Et l'assurance individuelle, ça pouvait arriver à terme jusqu'à 2012. Mais il y avait qui prenait l'avance. C'était comme l'argent que tu encaissais. Après, j'ai raisonné, moi, j'ai dit, « Ouh, 2012, j'ai commencé à travailler à, comme nous sommes de Belges là-bas, on dit 73. 73. J'ai commencé à travailler. L'assurance devait arriver à terme jusqu'à 2012. Moi, j'ai dit, « Eh, 1973, 1980, 1990, 2000 jusqu'à 2012. Non. J'ai écrit, j'ai retiré mon argent. Après, on est arrivé à 2010, 2012. Aujourd'hui, nous sommes à 2023. Je suis encore là. Ce Dieu-là m'a fait grâce. J'ai totalisé aujourd'hui 70 ans. Amen. Par la grâce de Dieu. Bonjour, ce Dieu-là m'a gardé. Alléluia. J'ai eu grâce de voir mes enfants grandir. Alléluia. Mes petits-enfants. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai des arrières. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse aussi grâce qu'il m'a faite. Alléluia. Est-ce qu'on a été béni par ce témoignage? Ah, te mettez la Yesu Mavoko. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Monique, joyeux anniversaire. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur. Jésus, Jésus. 70 ans encore. Jésus. J'ai compris qu'à Paris, la vie c'est longue. Hein? Amen. 70 ans. Nous allons fêter. Amen. Maman Monique, pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un principe dans les choses de Dieu. On doit reconnaître la grâce de l'autre. Amen. Pour avoir 70 ans, ce n'est pas une mince affaire. C'est parce qu'elle a un Dieu vivant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de Maman Monique? Malgré son âge, elle sert Dieu. Malgré son âge, elle est fidèle au poste. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Que Dieu bénisse. Hosanna, Hosanna. Hosanna, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Dieu de papa et de maman Langui. Nous acclamons ce Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui nous fait des merveilles. Alléluia. Il a dit, il redonne la vigueur à ceux qui faiblissent. Il redonne la force. Il nous renouvelle la force et nous sautons comme des aigles. Amen. Et nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de voir les témoins. Nous acclamons Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu qui renouvelle l'intelligence, c'est lui qui est... Il peut s'arrêter et les étoiles tombées du ciel.
Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Donnez plus de pluie. Et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Même si le monde n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Mama, Yahweh, Nanga, Mama,
tombo na bango de la kokima na yebite na bomba mina yo nde mo batseli malam pipali sungi ezanga kate musungi nangai elikya nangai pipanga na kokite yonde koka ponangai Sukananga sukate On est se fatigue pas de bolingo Otalinga ipambase Na sali motu ya na misona yo Kita o sala Banguna baku fasoni Sukanga yeah, yeah. Sukanga Ke ya vale ke pele Sukanga Yesue Sukanga Gana kokite Kokona kokite Ya vale ke Bitumba nyoso yo bunda Na yo kasango te balonga yo Elombe mo bali yo Bumboi mekufa Isimba mina maboko mayo Yoshua mashia Atanga na zamoke Na ebi yo zamo nende Bitumba nyoso yo bunda Na yo kasango te balonga yo Elombe mo bali yo Bomboi mekufa Isimba mina maboko mayo Sunganga ye ye sunanga Sunganga ya ya Sunganga ya vale ke pele Sunganga ya ya Sunganga Isu tutumbo liyo Na koko na kokite Sunganga Yesu na kokite Na koko na kokite ya ya Vuluka mujikenga chani nzambi wani Ungambulu ishe jove Mujikenga chani nzambi Vuluka mujikenga chani nzambi wani Ungambulu ishe Vuluka mujikenga chani nzambi Vuluka mujikenga chani nzambi wani Ungambulu ishe jove Zambanye, zambanye yowe Uluka mutikenga jani zambi wani Umambulishe Yaya kwepye yesu wanye Yaya kwepye Babulu batatu mungu zambi wanye Eyo Wangani wani kunga ya pavla wanye Zambamo ye Chinani kunga kunga ya mema wepe Uganda mune jove Ukwatishe Ukwatishe Nani ugachishe Ukwatishe Zambi wai Ukwatishe Nani ugachishe Ukwatishe Zambi wai Ukwatishe Nani ugachishe Ukwatishe Zambi wai Bien-aimés, au rythme de cette ambiance, nous allons recevoir une maman. C'est une ancienne. Elle est à cheval entre Belgique et la France. Quand on parle de la France, c'est Strasbourg. C'est un maman bien-aimé, son âge. Lui, il a plus de 70 ans. Il doit avoir, je crois, 73 ans ou 74 ans. On l'appelle Maï. Maï. Mamie des mamies. Elle a combien? 79 ans. Bien aimé, j'ai repris. Elle a 79 ans, papa Kitan. Maman Mia, là, son acclame, Jésus. Maï, venez, maman. Cette maman, elle se met à genoux. À Strasbourg, elle se met à genoux. Les mains levées, la maman ici. Je vous dis la vérité. Elle se met à genoux, maman docteur. Elle se met à genoux. Que la prière à Strasbourg.
Elle s'est mise à genoux, elle prie. La maman ici. 79 ans. 79 ans. Papa est dormant donc à 79 ans. Amen, hein? Amen. Elle est encore jeune, hein? Gloire à Jésus. On ne dirait pas. Maï, juste un mot. Rapidement, rapidement. Ndenge papa a sili kolobawa nazali komo nangai mama Louise kasie yebana te bandaka kana balaka papa miala. Je suis très content, très contente d'être ici. Je m'appelle maman Louise. Nazali maman ya mokili mobimba pe komo. Je suis la maman de plusieurs du monde entier. On acclame les seigneurs. Nazali une promotion Marie Madeleine. Je suis de la promotion Marie Madeleine. Nazali pe consacré. Je suis consacré. Nazali pe social. Je travaille aussi à la sociale. Nazali pe partenaire. Je suis aussi partenaire au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Nazali messagère. Je suis messagère de Jésus-Christ. On acclame Jésus. Nzambo yo soki boza komona ke 79 ans. Avec ces dieux, vous pouvez arriver à 79 ans. Avec les dieux de papa et maman Olangi, c'est possible. Tu es dans une bonne adresse, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as fait un bon choix. Si tu sers ces dieux en esprit, en vérité, il a opéré de grandes choses dans ma vie. J'ai beaucoup de témoignages. Mais j'aimerais juste vous exhorter. Vous devez continuer. Malgré les combats, malgré vous avez des combats, vous devez juste fixer votre regard sur ces dieux, pas sur vos combats, et ces dieux vont agir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, on acclame Jésus. Recevez la longévité, recevez la longévité au nom de Jésus. Alléluia. On reçoit, on reçoit. Amen. Bien-aimés, vous savez. Moi, les choses de Dieu, j'ai dit souvent, il n'y a pas d'hasard. Dieu a permis que nous puissions écouter les gens qui ont plus de 70 ans. C'est parce qu'à Paris, les gens vont dépasser cet âge. Bien aimé, chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. La plupart des gens qui ont 68 ans, 70, c'est-à-dire, nous allons aller au-delà. À 100 ans, nous allons témoigner. À 90 ans, nous allons témoigner. À 110 ans, nous allons témoigner. Très bien. Nous allons témoigner à 90 ans, tous en la macasse, canité, tous autres de Tibet, tous autres tambours normalement. 79 ans, 78 ans. Elle ne marche pas avec des cannes, elle fait tout normalement, elle voyage, elle prend son avion, elle prend le train, elle n'est pas dans un salon, dans une maison de repos, elle a son appartement. Elle a sa maison à Belgique. Dieu a permis, moi j'ai été là-bas, dans son appartement. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Bien-aimés, nous voulons écouter les messages. On n'a plus beaucoup de temps. Nous allons rendre grâce à ce Dieu-là. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons qu'on te rende des actions de grâce pour ce moment. Viens encore nous parler, parce que toi tu parles. Nous voulons que cette parole soit ancrée dans notre cœur. Afin que tout un chacun, d'une manière ou d'une autre, nous puissions produire le fruit digne de la repentance et de la vie éternelle. Nous menaçons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est vol de parole, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est distraction, soit détruit et cela au nom puissant de Christ. Ce soir, en ton nom, j'aimerais soumettre toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Avec action de grâce, j'ai ainsi prié. Amen.